Je m'appelle Jacques Encart, je suis agriculteur et je suis installé à Roger-de-Beaulieu, une petite commune située dans le Hauts-de-France. Avec mon frère, donc, on s'est installé il y a 30 ans sur l'exploitation familiale. Notre exploitation est en polyculture élevage. On cultive des céréales, des betteraves, du colza et des productions fourragères pour le troupeau laitier, puisque nous avons aussi un élevage de vaches laitières, un élevage de taurillons et plus les suivantes, environ 200 bovins, quoi. C'est l'engin de manutention, hein, forcément, puisque dès le matin, il faut charger les ballots dans la remorque pour pailler les bêtes. Ensuite, un peu de nettoyage, un peu de raclage dans les différents sites. Ensuite, on charge environ une dizaine de tonnes d'ensilage pour la journée, pour alimenter tous les troupeaux. Et c'est un outil qui fonctionne tous les jours et qui fait environ 1000 heures par an. Les pneus sont toujours soumis à l'effort. Il fallait trouver le bon compromis entre un pneu solide, un pneu résistant, un pneu qui résiste à la charge et qui soit à la fois confortable. Nous avons fait le choix des pneus Camso. Sur les terrains, on a besoin d'un pneu qui se nettoie bien, parce qu'on a souvent accès des parcelles sur la route. Donc pour ne pas salir, on a besoin d'un pneu qui se décrotte bien et qui se nettoie facilement pour ne pas avoir besoin de nettoyer les routes en conditions humides. Un facteur important aussi dans notre critère de choix, ça a été la forme de la cranture. Le pneu Capso donne la possibilité d'avoir autant d'adhérence en marche avant qu'en marche arrière.